à parler pour vous là-bas. Je ne dis pas d'amour, mais parce que les fleurs, l'amour, mais je prends aussi les fleurs. Donc, quand vous parlez de votre chose, oubliez-moi, quelle comparaison. Hein? Enjoy ton sac, Warriors. On doit aussi te faire les cadeaux, tu mérites. Je vais porter ça au pays, pas ici. Je vais porter ça à la canne. Voilà. Hé, hey, ma co, on dit que les Camerounais ne portent pas la canne. Pourquoi encore? Bah, si vous les tirez, non. Hey, viens me voir dans ma page. Je vais t'envoyer les vidéos de Bruno Bicha avec le concombre. Oh, man, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, Marius. Je t'appelle. Je t'appelle. Je dis que c'est chaud. Oh, viens me voir le concombre. Donc, moi, je dis que c'est chaud. Hein. Moi, j'ai tout. Parce que Nini me nous a dit que venez voir, il y avait bien là. Moi, j'ai tout. Maman. Il va à Abidjan. Maman, le concombre. Oh. C'est pas possible. Excusez-moi. En tout cas, je vous laisse. Merci, Warius. Merci de voir passer. Okay, bon, vous éclaircir encore une fois de plus cette histoire de sac. Ok. Merci beaucoup, ma copine. Merci. À tout à l'heure. Oui. Fais-moi à tout à l'heure. Warius, ok, voilà. Ma copine, alors. Excusez-moi, j'ai fermé la caméra parce que mon mari est arrivé, il va passer là pour aller à la cuisine, donc j'ai aidé ma caméra. Vraiment, je suis dépassée avec notre sœur Rose là. Je suis dépassée. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui tourne dans sa tête. Elle a pleuré ici en live. Ma pépé est venue essuyer ses larmes. Ma pépé l'a pris entre ses mains comme ça, l'a embrassé. Elle a juré sur la toile que même s'il y a n'importe quoi ce qui concerne ma pépé, on ne parlera plus. Nous tous avons vu comment il s'est retourné. Ma pépé ne lui a rien fait. Elle s'est retournée sur la toile. Elle s'est retournée comme ça, comment fait. Je suis dépassée. Je dis, mais est-ce qu'elle est normale en fait? Je ne sais pas. Même si tu dis que tu es électron libre, est-ce que c'est comme ça, être électron libre? Non, ce n'est plus être le ton libre, ça. Moi, je suis pas. Quelqu'un que tu as pleuré ici, elle est venue, elle t'a pris entre ses mains. Elle t'a embrassé. Elle t'a dit ne pleure pas, elle t'a soutenu. Elle est là-bas sur Patricia, avec les ennemis de ma pépère, en train d'insulter mon pépère. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait, Rose. Vraiment, je ne suis même pas d'accord avec toi, même un peu. Malgré tout ce que vous avez dit sur Pépétu, elle ne t'a pas insulté. Elle a parlé de croque ou de croque ou croque quoi. Vous appelez ça que quoi? C'est tout. C'est tout. Elle ne t'a pas insulté, mais tu es là au direct où les Nadej Bapa, tous les ennemis de Pépétu sont venus. Vous êtes en train de la laver. Et tu penses que demain tu vas venir dire que c'est ta soeur? Non, ne dis pas que c'est ta soeur. Moi, je vais t'interdire de dire ça. Mako, parlons vrai. Depuis que la Rose, quand ma pépé faisait le litchi pour les orphelins, j'ai vu ma soeur ici faire un live. J'ai dit, elle fait le live vraiment pour ma pépé ou bien elle fait le live pour naguer ma pépé. Elle fait, je sais pas, l'appel au don pour la naguer ou c'est comment? Je n'ai rien compris. Je dis, mais ma pépé l'a soutenue ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi elle veut aider sa soeur, mais c'est dans le mépris? Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Moi, je ne suis pas d'accord, ma copine. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si elle est perpétuée encore là. Je voulais parler un autre truc parce que la Rose m'a parlé. Elle a parlé de ça là, son directeur avant-hier. Que. Attends un peu, ma co, je vais prendre une personne. Attends. Je comprends rien. Ne quitte pas, Kota. Je prends quelqu'un. Voilà. Donc, on appelle ça quoi? Que ma pépé a. Que ma pépé, dans son direct, le direct qu'elle a fait avec la Guta, que, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Ndole Miondo? Ça va. C'est qui est?
C'est l'une de tes fans. Ok. Tu as quelque chose à dire, maman? La caméra, elle a bien tourné sa caméra. C'est... Oh, elle a arrêté parce que à la caméra. Ok, ouais. Mm. Asiama, vas-y, tu te protèges, tu reviens. La caméra s'est retournée. Mm. Ok. Non, je disais que, Kota, oui. Elle a parlé d'un truc là. Bon, je retourne. Elle a parlé d'un truc. Elle dit que dans le direct de ma pépé a félicité. Comment elle s'appelle l'autre là? La baronne, tu as dit ça. Moi, je ne l'appelle pas la baronne, je l'appelle Jean-Paul Bouhra. Mm-hmm. Jean-Paul de Suisse. Chacun son nom. Voilà. Donc, qu'elle a félicité Jean-Paul de Suisse en sachant que Jean-Paul de Suisse insulte son grand frère tous les jours. Qu'elle a dit dans son direct, elle a dit que elle a beaucoup aimé la sortie de Jean-Paul et que Jean-Paul, elle lui claque les bisous et elle est trop fière d'elle. Je dis, attends, que ma papa a dit ça, elle me dit oui. Moi, déjà, je ne connais pas les relations de ma papa avec Jean-Paul. Je sais que Jean-Paul n'a jamais parlé de ma papa, pas à ma connaissance. Donc, pour elle, elle trouve que c'est les attaques envers M. Messant. Mm. En sachant que dans la sortie de Jean-Paul, c'était ça concernant le couple Messant. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais elle m'a dit que c'est vrai. Et j'ai suivi le gars qui fait les directs dans le noir là, qui était à l'église là. Quand tu sais de qui je parle, on n'appelle pas son nom. Mmh. Oui. Je l'ai suivi parler de ça jusqu'à il a mis la partie là. Mmh. Moi, je dis, c'est ça. Il faut revenir. Il faut renvoyer la demande. Renvoie la demande. Donc, j'ai suivi la partie là, mais je n'ai pas compris. Bon, après ma pépère, elle est libre de saluer qui elle veut. Hein. Elle est libre de parler avec qui elle veut. Si ça, c'est elle qui sait le pourquoi elle a dit ça à Jean-Paul, ou c'était pour chauffer son frère, ou c'était pas pour chauffer son frère. Moi, pour l'instant, je n'ai rien à dire sur ça parce que je n'ai pas encore vu une sortie en dehors de ce que la Rose a dit. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ça. Voilà, le gars là aussi a relié ça pas sur sa page. Mm-hmm. Voilà. Mais moi, sincèrement, le Jean-Paul là, je n'ai rien contre lui. Mako, tu comprends, non? Mm-hmm. Mais quand moi je soutiens quelqu'un, je te soutiens à fond. Ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui, Lily, je te connais déjà, je ne t'ai pas connu derrière précisément une personne. Je t'ai connu en tant qu'une follower. tu t'es démarqué pendant la période où on soutenait ma faux là. Mm. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas si tu étais abbé. C'est toi qui dis souvent que tu étais abbé. Mais j'ai compris que tu es sympathisant de Dieu. C'est pas que j'étais. Je suis. Et je suis depuis longtemps. La personne qui me connaît, j'ai changé juste de profil, ouais. La personne qui me connaît bien, qu'on était dans le coup. C'est la chevalière. Moi, je ne connaissais pas ton... J'ai un autre profil qui était Wonderfoot. Je ne connaissais pas ton truc. Donc, moi, comme je t'ai connu
on était tous dans le combat ensemble. Je te connais une personne à part entière. Je ne t'ai pas connu dans la team. Je ne t'ai pas connu aussi en tant qu'abeille. C'est toi maintenant qui dis que tu es abeille. Tu vois un peu ma maman Lily? Oui, non, je comprends parce que beaucoup de gens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je veux parler de toi, je ne parlerai pas de toi comme abeille. Non. Je parlerai de toi, maman Lily, que j'ai connue ici. Exactement. Donc aujourd'hui, si tu as un problème, que tu es ma personne, je vois une personne que je ne connais pas, viens te attaquer, je vais être derrière toi automatiquement, je ne veux même pas savoir. Exact. Je ne veux même pas savoir, c'est pour cela que moi, Jean-Paul de Suisse, c'est quelqu'un que je ne suivais pas, je n'ai jamais suivi, souvent c'est sorti, c'est quelqu'un que non. Parce qu'on n'était pas dans le même combat. Elle a toujours été derrière la base. Moi, je suis, tout le monde sait ici que je suis contre la base. Je suis moi, Sardina. Tout le monde sait ça ici. Que je suis Sardina. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle et moi, ça n'a pas accroché. Oui. C'est pour ça que, oui, je dis la vérité, non, ma. Oui. La vérité, tu comprends, non? Mais bien sûr. Oui. Quand j'ai commencé à la voir, j'ai commencé à beaucoup la voir pendant en 2018-2017, là, quand les trucs des élections ont commencé là. Comme elle était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, je n'ai pas appris à la connaître autrement. Donc je l'ai connue. Voilà. C'est comme celle qui est à Lyon là, comment elle s'appelle Attends. Oui, vas-y. Attends. Donc, celle qui est à Lyon, là, comment elle s'appelle? Bibio, c'est le Bibio qui c'est quoi là? Karine Bibio, voilà. Karine Bibio, même si elle change, elle fait les laves quand elle est plus dans la politique, je vais toujours la voir comme quelqu'un de la politique. Qu'elle était de l'autre côté, elle et moi, on a combattu. Tu comprends normal, Lily? Oui. Donc, c'est quelqu'un que je ne veux pas choisir le premier coup. Je vais peut-être la choisir que je n'ai pas le choix. Donc, et surtout quand il y a une histoire qui concerne quelqu'un qui est ma personne. Je suis avec la personne Oa. Je défends ma personne Oa. Exact. Donc, tout ce qui concerne Jean-Paul, je ne suis pas là. À me donner une idée. Donc, quand on a dit que ma pépé lui a fait les éloges, je dis bon, ma pépé a ses raisons pour lesquelles elle a fait ses éloges. Si c'est pour attaquer son frère, elle verra la réaction de son frère. Ce n'est pas à moi à venir juger. Et la rose, je l'ai entendu condamner ma pépé pour ça. Et ils ont parlé encore ça chez Patricia. D'où l'histoire du mot ingratitude. L'attitude est sortie. Voilà. Moi, je dis, dans toutes ces histoires-là, quand c'est sorti, moi, j'ai intervenu chez notre frère, où j'ai dit pardon. J'ai exhorté la Guta de ne plus sortir et j'ai demandé à papa, mais sans vraiment, de laisser tomber. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais qu'ils laissent tomber. Parce qu'il y a souvent une petite goutte comme ça qui fait déborder le vase et puis voilà, et ça sort n'importe comment. À un moment, je me suis dit, peut-être se sont entendus pour faire ça, en fait. Parce que c'est le marketing aussi. Peut-être se sont entendus pour faire cette sortie-là et que ça fasse le buzz et qu'on les connaisse. Moi, je me suis dit ça c'est mon raisonnement à moi. Maintenant, parce que je n'ai pas compris que du jour au lendemain, ça se passe comme ça sur la tombe. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai dit, ce qui concerne ces personnes-là, je n'entre pas dedans. Parce que ce sont eux qui savent ce qui se passe. Nous sommes seulement les téléspectateurs. On observe seulement, mais on ne sait pas ce qui se passe en dessous. On ne sait pas ce qui se passe dans les IB. Comment ils se parlent. On ne sait pas comment ils font pour booster leur commerce. Parce qu'on voit ici, il y a des gens qui font le buzz pour que qu'on les connaisse. Regarde par exemple, la dernière fois,
Maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais parler. Il y a eu plus de 1000 personnes qui se sont, tu vois un peu, et j'ai tellement aimé ça ce jour-là. Plus de 1000 personnes qui se sont connectées. J'ai adoré. Le jour-là, j'ai dit, waouh, tu comprends? Parce que c'est pour ça que j'ai dit, les gens viennent se mêler des trucs sans même comprendre. Peut-être ils ont fait ça pour faire le buzz. Pour faire le buzz. Dès qu'elle a dit, je vais répondre, plus de 1000 personnes, et elle a fait la pub de son... J'étais contente, je savais que c'est ça qu'elle va faire. Connaissant le personnage, j'ai dit, c'est ce qu'elle va poser. Comment... Et quand elle a fait, j'ai dit, je ne me suis pas trompée. Bravo. J'étais très contente. Vous dites quoi? Que les gens sont là pour en chérir. C'est parce que vous voyez compression, elle est ceci, elle est malhonnête, elle est ingrate. Vous connaissez ce qu'on appelle ingratitude? Vous ne connaissez pas. Je te bloque là, mon petit. Je te bloque. Allô? Merci de m'avoir visité. Au revoir. Vous ne connaissez pas. Malili, il y a quelqu'un qui est entré. Il y a quelqu'un, ok. Bonsoir, maman Lili, la chroniqueuse et sa fille. Bonsoir, Ndolo. Bonsoir. Quand tu es la chroniqueuse, tu connais déjà la personne. Bonsoir, Ndolo. C'est clair. Oui. Bonsoir, Ndolo. Merci beaucoup pour votre live. Merci pour une live hyper. Ndolo, on les confond souvent. Il y a Ndolo et Ndolo. Ndolo Mlema et moi. Souvent, je prends les balles perdues de Ndolo Mlema. C'est Ndolo. Ndolo Miondo, non. Voilà. Donc, mamie, merci beaucoup pour votre live qui est le direct, qui est tellement mature et une bonne analyse pour quelqu'un qui est dans la maison. Quand je dis quelqu'un qui est dans la maison, c'est parce que tu connais de qui et de quoi que tu es en train de dire. Et ceux qui parlent par spéculation, comme ils sont en train de prêcher le faux, pour cogner le tête. Donc, je ne peux pas répéter ce que maman Lily vient de dire, ou bien Warriors. Ils ont déjà tout dit, j'étais sûre depuis. Tout ce que j'avais en tête. Donc, j'attendais que tu ouvres la ligne, mais je ne peux pas aussi couper. Comme les gens matures raisonnables ont déjà dit certaines choses, c'est à nouveau pas la peine de répéter. Je veux seulement te dire merci pour ton analyse parce que tu es dans la maison, tu connais tous ces gens-là, pas virtuel, mais dans les vraies villes. Et les gens, c'est que j'ai pitié des gens. J'avais fait un commentaire quelque part, je pense, je ne sais pas, papa, c'était le même problème, que j'avais répondu à quelqu'un qui croyait que c'est la guerre entre les deux gens. Comme maman Lily vient de dire, les gens ne savent pas que quand on veut faire sortir un produit, on peut aussi créer un petit buzz aussi derrière. Que moi aussi, j'avais suspecté ça comme ça d'abord. Et les gens ne connaissent pas les conditions de marketing. Tu ne peux jamais voir quelqu'un avec une bouteille de Guinness, un employé de Guinness qui boit le truc de brasserie du Cameroun. Ça ne fait jamais comme ça. Il faut que les gens comprennent aussi les thèmes de commissaire ou bien commercialisme, je ne sais pas comment je vais pas prononcer. Je suis un anglophone, excusez-moi. Donc, il y a le thème commercial, les conditions que quand tu ne peux jamais voir quelqu'un qui travaille de Guinness, qu'on connaît que c'est un employé, qui boive brasserie quelque part. Si on le voit, on va lui renvoyer. Voilà. Donc, si tu veux comprendre comment les gens sont limités, ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de rien qu'une petite, comment on dit, common sense. Il faut juste réfléchir. On ne peut pas commencer à dire que comment les gens ont oublié là que la signature de MAPP et cette Glutabus, c'était avec la famille Star, ils ne savent pas, ils ont oublié. Comment les gens mélangent la vie virtuelle avec leur vraie vie? Si demain ils voient cette 5 personnes sur la même table, ils vont dire quoi? Et la femme aussi, là, j'ai un peu pitié, j'avais suivi son live, qu'elle voulait dire, dis à tes quoi là, de me faire quoi là. Je me suis dit, peut-être c'est une, comme maman Lila dit, c'est un buzz, ou bien, peut-être, je ne sais pas si franchement elle est fâchée ou quoi, mais il faut qu'elle sache qu'elle regarde autour d'elle. Qui ont gâté le business des gens dans la toile-ci? Les mêmes produits. Qui sont les gens qui ont gâté le produit? Et ça se laisse écouter par ces gens-là. Le même système. Si elle se laisse écouter là,
son travail de 25 ans que j'ai écouté l'autre jour là, j'ai pitié d'elle. Il ne peut pas qu'elle danse cette musique de la toile. Il faut qu'elle regarde les gens. Tout le monde peut l'embrasser. Tu peux embrasser tout le monde, mais il faut être... Je sais qu'elle est intellectuelle, mais il faut qu'elle réfléchisse. Ne entre pas dans les gammes de haineuses ou bien méchantes. Qu'elle vérifie. L'histoire étendait qu'il y a certaines bandes de gens qui ont détruit la vie de Mafo, de même pour bandes de produits cosmétiques, qui sont en train de vouloir entrer dans sa chaussure au nom de... Aide-moi des ciseaux, au nom de Ali, alors que ça ne vaut pas la peine. Il faut que la dame sache que ces mêmes gens aussi ont voulu aussi faire ce produit-là, ces mêmes produits qui n'ont jamais marché, parce qu'ils ont volé le nom. Donc, il faut qu'elle soit un peu sage, si elle a oublié ça. Que les gens qui suivent sur la méta n'oublient pas que le jour que Maléba Perpétuel signait ses contrats, c'était avec les mêmes gens. C'est les mêmes gens qui mangent dans la même assiette. Qu'on ne mélange pas la virtuelle avec business, avec l'amitié, avec la famille. Il faut que les gens apprennent à faire la définition de ça. S'ils vont faire la définition, ils ne peuvent pas mettre les nez dans les histoires-là. Ma pépé n'a pas le droit. Elle a le droit d'aller là-bas comme elle n'a pas le droit. Elle peut partir comme elle ne peut pas. Elle peut parler sur le casquet de membre de famille comme elle ne peut pas partir sur le casquet de commercial. Elle avait le choix de faire ce qu'elle veut faire. Mais si ma pépé partait là-bas, on devait toujours commencer à faire toujours une live. On dit que voilà une traite. Elle allait maintenant parce que c'est ton frère. C'est son sila. Ils vont oublier que ce sont les mêmes familles. Les gens sont tellement bêtes. Quand tu pars à gauche, on veut que tu pars à droite. Mais ce qui est bien, c'est que je connais au moins ce que la star, ce sont les gens intellectuels. La dame aussi, Amélie, c'est une femme intellectuelle. Et Maman Pépé connaît ce qu'elle cherchait sur la toile. C'est une femme hyper mature. Donc, personne ne peut pas les balancer dans le vent. Comme tu as dit, quand les éléphants sont en train de bagarrer, j'ai pitié des gens qui vont rester autour parce qu'on va les écraser. En tout cas, donc, ça, c'est tout ce que je voulais seulement t'apprécier pour ça. Merci. Ta maturité et c'est que le conseil que ma petite sœur Nicole aussi a donné à sa même sœur-là, de se méfier. Personne ne peut pas se lever comme ça là, sur la toile, dire qu'elle a devenu star sans même les followers. Ça ne marche jamais. Quand les gens disent qu'elle est trop libre, si tu es trop libre, fais le clone de toi-même, fais ton follower toi-même, crée ton concept toi-même. Crée ton contenu toi-même et deviens aussi ton follower. On voit, c'est ce qu'on dit, électron libre, quand les gens n'ont pas là à l'école. Pour être électron libre, toi-même, tu vas créer maintenant tes followers qui ne sont pas les êtres humains, pour te follow avec, faire le like, avoir les stats et tout. C'est toi-même qui va t'écouter, c'est toi qui va créer ton contenu sans parler de quelqu'un, sans analyser le truc, sans décrypter les choses. C'est comme ça on dit, électron libre. Donc, il faut que les gens enlèvent cette truc-là. Si ne sont pas là à l'école, je vais faire une définition de l'être libre dans un truc terre à terre. Ce n'est pas même à l'école. Il faut que les gens réfléchissent. Il n'y a aucune électron libre. Parce que chacun, le star qu'on donne, le like, je suis en train de parler avec toi. C'est parce que tu es allumé là-bas que je viens vers toi. Si tu n'étais pas là, moi je vais allumer mon caméra. S'il n'y a pas les 353 personnes, tu ne peux pas. Si tu vas éteindre, dis qu'au revoir. Donc il faut que les gens arrêtent. Il n'y a aucun électron libre. Ça, c'est un thème papa, tellement qu'on ne doit pas utiliser. Tu as toujours ton là où ton cœur bat. C'est tout. Même si tu ne dis rien, peut-être pour ne pas blesser, mais tu sais là où ton cœur penche. Même dans la vie c'est de tout. Tous les jours, ma soeur. Tu comprends, non? Oui, oui. Il ne faut pas dans la vie, tout le monde a le droit. Comme je vois quand tu dis le Jean-Paul ou quoi là, la vie de virtuelle est défend la vie privée. Les gens sont en train de bagarrer sur la toile, ce sont les mêmes gens qui mangent derrière. Que les gens oublient, tout le monde, ce sont les adultes. On ne sait pas ce que les gens traitent avec les gens pas derrière. Les gens peuvent venir bagarrer, moi je peux venir bagarrer avec toi aujourd'hui. Demain on se voit encore, on est en train de manger sur la toile, on dit que ce n'est pas seulement que c'est le buzz. C'est aussi pour dire que ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis libre de faire aussi mes idées sur la toile. Ce n'est même pas seulement le buzz, mais je peux dire que je n'aime pas tes idées. Je place mon camarade, je dis, je ne suis pas d'accord, ça ne nous fait pas les ennemis, comme tu as dit. Il faut que les gens arrêtent de faire la définition de vie familiale, amitié, commerciale et virtuelle. Il faut qu'on commence à définir ça pour ne pas cogner nos têtes. Merci beaucoup, ma soeur. C'est tout ce que je voulais partager. Merci, Maman Lily, ça fait longtemps. Oui, merci. Okay. Bon soir à vous. Oui, ma co. Merci. Je dis que... Maman Lily, tu parles, non? Marco. Avant que tu parles, je veux que les gens, notre soeur là, a rappelé quelque chose. Mm. On dit que les mêmes causes créent les mêmes effets. Mm-hmm. Elle nous a rappelé l'histoire de FDL.
J'ai encore les souvenirs de ça comme si c'était de même. Ça s'est passé hier. Je me souviens, on était tous ici. Les gens étaient au bateau. Ceux qui étaient au bateau, nous, on regardait seulement sur Facebook. Voilà. À l'époque, on était en train de jubiler Mavo qui faisait son ouverture officielle de ses produits. Le même soir, Lolo a fait la même chose que Gronde a fait. Mm-hmm. Poser tous les produits de Mavo sur Meta. Avec les prix. C'est à partir de là, c'est à partir de là que j'ai dit qu'elle elle est sortie. Elle est sortie dans mon cœur. Lolo, elle était sortie dans mon cœur. Parce elle que a fait la même chose. Mince. J'ai dit comment quelqu'un peut salir les produits de sa soeur, peut détruire l'avenir de sa soeur. Ce jour-là, j'étais meurtrie. Je parlais dans la maison toute seule. Pourtant, je la suivais beaucoup. Je me disais que ce sont des sœurs, elles se collent là sur la toile. J'aimais tellement Mafo. Et en même temps, ma pépère avait leur truc. Je les suivais un peu. Ça me faisait un film, en fait. Ça me faisait un film. J'ai dit, ouais, les gens ils vont se calmer quand? Maman, le jour que celle-là a déposé les produits de Mafo. J'ai dit, hein? C'est comme ça que les gens s'y sont. Hey! Elle ose détruire le commerce de sa soeur. C'est ce jour-là. Ce jour-là. Ça dit que j'ai crié ici dans la maison. J'ai dit, c'est pas possible. Non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, est-ce que celle-ci demain va oser faire une activité? Elle va créer une activité un jour. Si on lui fait ça en retour, elle sera contente. Je suis sûre que, Malili, je suis sûre que aujourd'hui, avec le recul, elle regrette énormément. Mais, et si on lui demande de le refaire, elle ne va plus le refaire. Et ça l'a beaucoup bloqué sur ce business qu'elle veut faire. Non, le problème, tu sais, le genre de personnes là, elles se victimisent tout le temps. Ah, vous voyez, on veut me détruire. C'est vrai que voyez? Je te dis clairement, Lily, ça l'a bloqué. Aujourd'hui, elle dit qu'elle vend les habits, non. Tu as vu les ventes d'habits aller où? Rien que même la télévision, si. Tous les jours, c'est que la télévision, ça ne marche pas. Devant 5000 personnes. Sa sœur a voulu faire pour elle. Hein? Elle est venue prendre le sable versé sur son tapioca. Wow. 5000 personnes, ou bien c'était 4000 et combien de personnes là, devant. Elle a déposé comme ça. J'ai crié. C'est elle qui m'a fait découvrir AliExpress. Moi-même, je ne connaissais pas. C'est elle qui m'a fait découvrir ça. Moi-même, je connaissais le site là. Moi-même, je ne connaissais pas. J'ai dit, hein? Elle a dit non. Je dis qu'on peut faire ce que vous appelez c'est le game. Non, c'est ça, c'est pas le game. Ça, c'est la méchanceté. Et en même temps, elle était en connivence avec la personne qui était en train de voler le nom. Elle disait tout le temps, vous allez voir, ce n'est même pas son nom, ce n'est pas son entreprise, ce n'est pas son nom. Vous allez voir, vous allez découvrir. Et quand c'est sorti, bam. Et qui travaille avec les deux? J'ai dit, waouh! C'est ce jour-là que j'ai dit, non, vous êtes méchant. Vous avez un cœur. Même si demain, il y a n'importe quoi, toi, Lolo, je ne te supporterai jamais. Parce que tu as un cœur noir. Tu as voulu faire descendre ta sœur. Et c'est ce jour-là que ma foi est rentrée dans mon estime encore bien enfoncée. Même quand elle a su que elles étaient en train de la détruire. Elle était toujours là, mes soeurs. Elles voulaient toujours la paix entre eux. Et pendant ce temps, elles se reculaient. Non, j'ai dit c'est fini. J'ai dit que non, tu es méchante. On ne fait pas ça à sa soeur.
Le business de quelqu'un, c'est le business. On ne détruit pas le business. Mmh. On ne détruit pas. Parce que c'est là où chacun va gagner. Maintenant, c'est quand on escroque, comme notre soeur qui est en train d'escroquer l'argent de, avec la question de voyage là, que je dis que non. On ne peut pas tromper les gens comme ça. On ne peut pas tromper. Malili, parlons un peu de cette histoire. Moi, quand je... Hein, Malili, si oui. Tu me permets. Oui, vas-y. Je profite comme tu es là, on parle un peu de cette histoire. Parce que quand cette histoire-là est venue sur Meta, la première personne que j'ai entendu parler de ça, c'était... comment il s'appelle, c'est du Canada. La PDG Canada. Mm-hmm. C'est elle que j'ai suivie. Elle était en direct. Elle a commencé à parler de ça. Elle dit que Maman Prestige a fait le direct sur ça. Maman Prestige lui est traité de PDG de Carnivore. Elle aussi, elle est en train de... C'est pour ça qu'elle aussi, elle va appeler Maman Prestige que Prestige... de caca, Prestige caca, tout comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à parler. Je l'ai entendu parler. J'ai fini d'écouter. Elle a fini son live. Je suis parti chercher maintenant pour écouter là où ma Prestige a parlé. Malili, mm-hmm. Tu m'entends? Oui. J'ai fouillé ça jusqu'à... Je dis seulement que ouais. Ma Prestige a clair à parler l'histoire si où est. On n'a même pas coupé ça quelque part. J'ai fouillé ça jusqu'à... Je n'ai pas vu. Le live de ma Prestige. J'ai dit que c'est sûr que ma Prestige a effacé dans son live. À ma grande surprise, je vois Choupinette qui lance un live. Ma Prestige qui vient parler. Je dis, hein? Dans ma Prestige, je n'avais pas encore... Elle avait seulement fait les posts. N'avait pas encore parlé. Mm-hmm. Je suis restée, j'ai écouté ma Prestige. Le live était long jusqu'à... J'ai écouté le live là jusqu'à la fin. C'est là où je suis restée. J'ai dit que bon, je vais peut-être donner aussi ma part de point de vue sur cette histoire. En écoutant dans les deux. Mm. Moi, ce qui est là, c'est que les deux sont de la même famille. Malili, tu comprends, non?